pour l'Église ce matin. Dieu appelle chacun de nous pour louer, pour adorer, pour glorifier son nom. Et nous là ce matin, parce que Dieu finit de choisir nous. Nous là ce matin, parce que nous aussi nous finit de choisir pour louer le Seigneur, pour adorer, pour chanter, pour jouer pour lui. Nous coupons la tête ce matin et nous prions ensemble. Merci Seigneur, je te finis nous. Merci Seigneur Jésus pour la force et le courage que tu donnes nous. Merci pour toutes choses que tu donnes nous ce matin, Jésus. Nous les glorifier ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu es bon avec nous, Seigneur. Merci pour moi. Merci pour ce Seigneur à côté de moi. Un seul Guillemette. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi seul, Seigneur. Mon petit frère Dorian et moi-même. Et toute l'Église, ce matin, nous les remercions, Seigneur, parce que tu es bon avec chacun de nous. Et nous les glorifions ton nom. Oui, Seigneur, nous demandons-toi, dirige-nous pour te voir cet esprit ce matin. Qui vraiment nous capacitons de tous les guerres. Qui à travers, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, dans le musicien, en tant que chanteur. Au bout de toi, Seigneur, nous donnons totalement, complètement, nous donnons à toi, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, qu'il va une guérison d'opérer. Afin qu'il va un miracle d'opérer. Afin qu'il y ait toute chose d'opérer dans ton nom, papa. Nous les glorifier ton nom aussi ce matin. Oh oui, Seigneur, combien tu es bon. Répands sur nous, Seigneur Jésus, ton esprit sans plénitude. Répands sur nous, Seigneur Jésus, de la grâce, papa. Qu'il reste toujours. Oh oui, Seigneur, près du trône de la grâce ce matin. Oui, Seigneur, étends de la maison, nous, Seigneur Jésus. Guéris-nous, Seigneur, de tes corps. Guéris-nous, Seigneur, de l'âme, de l'esprit, de nos intelligences. Guéris chacun de nous, pose de la maison, nous, Seigneur Jésus. Agir dans notre vie, Seigneur. Et que chacun de nous, Seigneur Jésus, nous capables d'être guidés, d'être dirigés ce matin. Oui, Seigneur Jésus. Prends contrôle de nous, Seigneur. Qui nous capables d'offrir nous-mêmes ce matin à toi. Qui nous capables d'offrir, Seigneur, nos familles à toi ce matin. Et chacun de nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Je viens te prier, Seigneur, ce matin. Ma vie, ma famille.
Dieu, Père éternel. Merci. Thank you.
ta demeure ce matin, Seigneur. Guide tes enfants ce matin, Seigneur Jésus. Dirige-nous, Papa. Combien, Seigneur, tu es bon. Combien tu es un Dieu merveilleux. Il est glorifié ton nom, Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Car tu es bon, car tu es saint, car tu es un Dieu merveilleux. Yeah.
Dieu, mon Père merveilleux. Oh oui, Seigneur. Pose ta main sur chacun de nous, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Afin qu'une parole, Seigneur, nous console nous ce matin. Afin qu'une parole, nous délivre nous ce matin. Afin qu'une parole, Seigneur, nous délivre nous ce matin. Nous délivre nous, Seigneur, de tout l'emprise du mal ce matin. Et que ton nom soit glorifié. Oui, Seigneur, tu es beau. Oui, Seigneur, tu es Dieu, tu es puissant. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Que le nom de l'Éternel. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue dans la présence de Dieu. Ce matin, nous vous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 2. La deuxième partie du verset 8. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre. Dans toutes les constructions, Biza a une bonne base, une bonne fondation. Si Pena des colonnes pour soutenir le bâtiment, la maison ou muraille, tout pour écrouler un jour ou même juste après la construction. Mais si les colonnes, les fondations, ils bien faire, tempête, cyclone, la pluie, bâtiment, la maison pour toujours la même. La Bible nous dit, l'Éternel sont les colonnes de la terre. Frères et sœurs, avec tout ce qui peut passer dans le monde, tout ce qui peut passer sur la terre, nous peut vivre dans les derniers temps. Mais une chose est sûre, nous, bon Dieu, n'y pas changer. Depuis la création du monde, nous, il est le colonne de la terre pour nous. Il est un appui pour tous ses enfants. Dans le psaume 104, le verset 5, il dit « Il a établi la terre sur ses fondations. Elle ne sera jamais ébranlée. » Les fondements de la parole. Nous fondements, Lilo, la parole de Dieu. Elle a établi sur la terre ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Si nous établissons, nous, la vie, la parole de Dieu, si nous établissons, nous, la vie, la parole de Dieu, elle ne sera jamais ébranlée. Amen. Elle ne sera jamais ébranlée. Frères et sœurs, en cette nouvelle année 2022, continue à appuyer nous la parole de Dieu. Continue à faire confiance à notre Seigneur Jésus. Il est le seul, il est celui qui a les fondements de la parole. Il est celui qui a les colonnes de la terre. Dans Luc, le chapitre 6, le verset 47 à 48, Jésus peut dire quelque chose. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. A posé le fondement sur le roc. Bâtir sur le roc. Bâtir de la vie sur le roc. Bâtir de la maison sur le roc. Bâtir ta famille sur le roc. Bâtir de travail sur le roc. Bâtir de la vie autour de notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, inondation, tempête, torrent, tout ce qui vini, rien ne sera ébranlé si nous bâtirons nous la vie sur le roc, sur la parole de notre Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, ce matin, m'encourage chacun d'entre nous. Appuie-nous de la parole de Dieu.
m'encourage chacun d'entre nous ce matin, qui nous capable, qui n'est nos regards toujours fixés sur notre Seigneur Jésus. M'appuie toujours ce matin, chacun d'entre nous, afin que nous prenions l'exemple de notre Seigneur Jésus. Il a dit, celui qui pratique ma parole, celui qui met ma parole en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc, et rien ne sera ébranlé. Dans Nombre, le chapitre 24, le verset 21, il peut dire comme moi, ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc. Alors, si nous demeurons, si nous la vie de chrétienté, si nous la foi basée sur la parole de Dieu qui est bâtie sur le roc, frères et sœurs, nous commençons un nid d'oiseaux qui est posé sur le roc. Connais, frères et sœurs, un oiseau y avance sur la case. Et s'il mal pose lui, ce ban dizef, ça ban petit oiseau-là capable de tomber. Quand il rentre sur la case, il y a un ciel qui est bien posé, afin que ce soit la pluie, que ce soit le vent, n'en ait pas prendre sa nid d'oiseau, aller ou tomber quand il y a le vent, quand il y a la pluie. De même, mes frères et sœurs, nous aussi, dans ces derniers temps que nous pouvons vivre, que bien souvent, des fois, nous disons la vie dure, la vie difficile, nous sommes fatigués. Mes frères et sœurs, si nous toujours appuyons-nous sur la parole de Dieu qui est le roc, qui est solide, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les tempêtes qui passaient dans nous la vie de tous les jours, frères et sœurs, nous pourrons résister. Rien ne pourra nous ébranler. Amen. Dans le psaume 75, le verset 4, il peut dire « La terre tremble avec tous ceux qui habitent, mais moi, j'affermis ses colonnes. » La terre tremble, moi, j'affermis ses colonnes. La terre capable de trembler, mes frères et sœurs, capable toute nouvelle qui nous recevoir, les fait nous grimper, les fait nous trembler. La terre tremblait avec tous ses problèmes, tout ce qui nous tendait, que ce soit à la radio, à la télévision, tout ce qui nous liait dans les journaux. La terre est tremblée par un problème qui passait tous les jours. L'homme inquiète lui avec tous les problèmes. Comme on est en inquiétude, il a câblé, il grimper. Il pose-lui beaucoup de questions. Mais, frères et sœurs, ce matin, pour un enfant de Dieu, nous avons les colonnes de notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu est avec nous pour nous affermir. Amen. La parole de Dieu est avec nous pour nous affermir. C'est pour cela, dans le psaume, il dit comme ça, la terre n'est capable de trembler. Moi, j'affermis les colonnes. C'est pas la parole qui nous tient, mes frères et sœurs. C'est pas la parole qui nous capable de persévérer, mes frères et sœurs. C'est pas la parole qui nous entend, mes frères et sœurs, qui nous capable de continuer à marcher avec le Seigneur. Quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui nous entend, la terre tremble. Connais, frères et sœurs, quand on a tremblement des terres, du monde guimpère. Capable à Maurice, nous pas trouver dans le pays, nous pas trouver, mais à l'extérieur. Quand il y a un tremblement de terre, quand il y a une tempête, ben la case bougée, ben la case cassée. En auteur, nous trouvons comment les craigner. Mais toutes ces choses-là, l'homme n'y guimpère dans le moment que ça arrivait. Frères et sœurs, quelles que soient les difficultés qu'il peut passer, continue à pignoler la parole de Dieu. Amen. Que notre Seigneur Jésus n'est pas une colonne. N'importe quelle situation qui arrive nous, appuyez-nous la parole de Dieu. C'est ça qui peut tenir nous dans toutes les situations qui nous passent. Dans le psaume 71, le verset 6, il peut dire, David peut dire, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi.
Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Dès la sa jeunesse, David pour dire, y a pili le bon Dieu. Ce matin, me cause avec la jeunesse d'aujourd'hui. Capable de bien que toi, de pas bien à l'école. Capable de bien que toi, de bien un travail. Capable de bien que toi, qui te l'avenir, qui te futur. Capable de bien que toi, de dire tu n'as pas de projet. Mais ce matin, Molé, rassure-toi. Si toi, puis toi, l'eau la parole de Dieu. Si toi, puis toi, l'eau notre Seigneur Jésus. Depuis ta jeunesse, Dieu lui protège toi, mes frères et sœurs. Depuis ta jeunesse, frères et sœurs, Dieu lui toujours là avec nous. Alors, ben jeune, ce matin, pas inquiète-toi, mais mets-toi confiance dans ton Dieu. Amen. Mets-toi confiance dans le Seigneur. Et te trouve le miracle, notre Seigneur Jésus, dans toute la vie. Amen. Jean le chapitre 2, à partir du verset 3. Nous connaissons l'histoire, les noces de Cana. La Bible nous dit, le vin avait manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Dans le verset 5, sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Faites tout ce qu'il vous dira. Même si Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère avait confiance en lui. D'un mariage, il arrive divin fini. Arrive d'une fête, la boisson est finie. Nous invités dans une fête et que la boisson est finie. Le chef de cérémonie, il n'a pas honte. Mais la parole nous dit, dans ce moment-là, la mère de Jésus, il tournait vers Jésus, à Jésus, il manque du vin. Mais il a une confiance, malgré que Jésus dit, allez comme moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Frères et sœurs, même si nous pas encore trouvons les miracles de notre Seigneur Jésus arrivés dans nos vies, même si nous pas encore trouvons la prière, qui nous demandait exaucer dans nous la vie, faire confiance notre Seigneur Jésus. Amen. Faire confiance notre bon Dieu. Garde toujours confiance dans lui. Comme la mère de Jésus, il fait confiance. Il tient à la foi. Quand il connaît, quand il demande quelque chose, Jésus peut faire lui. Même si Jésus nous dit quelque chose qui se lève pour encore arriver, les lingots de confiance. Nous aussi. Demande quelque chose, garde confiance. Si dans la construction d'une maison, nous mettons tous les matériaux qui disent, tempête, la pluie, cyclone pour arriver, il peut toujours la même, il peut toujours soutenir. La maison peut toujours la même. Parce qu'il fait, parce qu'il nous met les matériaux qui disent. Quand nous faisons confiance en Jésus, quand nous faisons confiance notre Seigneur, c'est lui qui prend la relève. C'est lui qui prend la suite. C'est lui qui peut exaucer nous la prière. De même, les fondements de sa parole. Le Seigneur, lui-même, les colonnes de nous la vie. Lui-même nous l'appuie. C'est pour cela, ce matin, mets-toi confiance dans le Seigneur. Mets-toi confiance dans sa parole. Tout ce qui a été écrit, mes frères et sœurs, prends sa parole là et appuie-toi là-haut là. Tu vous trouves la main puissante de l'Éternel, l'agile. Alléluia. Merci Seigneur. Dans Luc, le chapitre 5, à partir du verset 4, Pierre vous dit quelque chose. Lorsqu'il lui a cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette
jetez vos filets pour pêcher. Simon dit à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole. Encore une fois, mes frères et sœurs, nous trouvons confiance qui Simon les met dans Jésus notre Seigneur. L'in la pêche en la nuit, l'in fatigué. Nous tout connaît quand un pêcheur à la pêche des heures et des heures. Et quand je panne retourne quand un ornier, je dis fatigué. Là, Simon, l'in la pêche, et une nuit, il panne un ornier. Mais quand Jésus dit allégrement à Simon, avance large, jette tes filets, il dit Seigneur, sur ta parole. De même, frères et sœurs, possiblement l'année 2021, je t'y passe pas un moment difficile. Possiblement l'année 2021, je t'y jette de filets. Possiblement l'année 2021, je t'y prie, je t'y demande, je ne trouve pas rien. Ce matin, frères et sœurs, la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus, pécheuse avec Zot ce matin. L'épisode, Zot, Zot filé. Continue à Pizot, Lola, parole de Dieu. Si Simon, il trouve le miracle de Dieu, la pêche miraculeuse, que quand Zot, il les filé, il est déchiré, tellement tu as poisson, tellement tu as la quantité. Que là-bas qui loue, je dis même besoin, appelle ce bon camarade. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus, l'hypocontine bénisse cette année-ci. Amen. Notre Seigneur Jésus, l'hypocontine déverse sur la grâce de chacun d'entre nous. Notre Seigneur Jésus, l'hypocontine opère des miracles en 2022. Comme Simon, jette tes filets, crois et confiance dans notre Seigneur Jésus et je vous trouve le miracle de notre Seigneur Jésus dans toute la vie. En ce début d'année, possiblement, il n'a pas vu déjà mauvaise nouvelle, capable déjà, il n'a la crainte qui peut arriver au travail. Est-ce qu'il me pourrait un travail? Est-ce que nos bons enfants pour réussir à l'école? Est-ce que nous prenons toutes les choses qui nous besoin matériellement dans la maison? Mes frères et sœurs, ce matin, me les rassure-toi. L'Éternel est le colonne de la terre. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de notre Seigneur. Alors, pas besoin de guimper ce matin. Appuie-nous sa colonne-là. Appuie-nous la parole de Dieu. Et je vous trouve les miracles, la promesse de notre Seigneur Jésus dans nous, la vie. Amen. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20 et 21, il peut dire quelque chose. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y a aussi des bois et de la terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont des usages vils, inutiles. Si donc quelqu'un se sent pur et s'abstenant à ces choses, il sera une vase d'honneur. Si donc quelqu'un se sent pur et s'abstenant à des choses, il sera une vase d'honneur. Ce matin, soyons une vase d'honneur. Appuie-nous toujours sur la parole de Dieu. Affirmez. Soyez purs. Fais le pas et laisse bon Dieu faire ce pas. Donne-nous la vie de tous les jours. Demande bon Dieu pardon pour nous bannir. Nous sommes des humains, ne commettons pas d'erreur. Quand il y a des choses qui nous disent, qui nous font, qui ne vont pas prendre plaisir.
mais nous nous efforçons est agréable à notre Seigneur Jésus. Soyons purs, soyons des vases d'honneur, afin que quand bon Dieu guette nous, quand notre Seigneur Jésus trouve nous ce bon enfant, Dieu capable servir nous, Dieu capable faire ce pas. Mais pour qu'il est capable, pour notre Seigneur Jésus capable de faire ce pas dans la vie, il faut dire qu'il est nous, nous capables de faire nos pas. Et nous pas, c'est être toujours près de notre Seigneur Jésus. Nous pas, c'est toujours rester présent dans la présence de Dieu. Nous pas, c'est toujours attaché à la parole de Dieu. Nous pas, c'est toujours lié à la parole de Dieu. Nous pas, c'est toujours faire confiance à notre Seigneur Jésus. Quand nous faisons confiance à notre Seigneur Jésus, lui fait ce pas. Soyons des vases d'honneur, propres à toutes bonnes œuvres. Propre à tout temps que notre Seigneur Jésus attend de nous. C'est à ce moment-là, frères et sœurs, qu'il nous trouve notre Seigneur Jésus y agir. Que ce matin, cette parole l'y bénit. Que ce matin, cette parole l'y capable tout ce qui l'éclaire. Que ce matin, cette parole est capable d'un changement dans toute la vie. Que ce matin, ce capable trouve notre Seigneur Jésus vraiment comme une colonne. Que ce matin, ce capable vraiment prend notre Seigneur Jésus un appui. Car il ne change pas, mes frères et sœurs. Nos bons sont toujours le même. Avant de terminer, moi, c'est content de lire avec vous dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 20. Jésus peut dire comme ça, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous pouvons vivre dans ces derniers temps. Quels que soient les problèmes, mes frères et sœurs, quel que soit ce qui nous tendait, la terre capable, le monde capable, guimpère, mais nous, nous sommes des enfants de Dieu. Prends la parole de Dieu comme une colonne. Prends notre Seigneur Jésus comme nos appuis. Et il a été écrit. Et ce matin, je ne lis pas dans cette parole avec Dieu. Ce matin, je redis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, Jésus avec nous en cette année 2022. Mettez-nous confiance dans l'Éternel. C'est lui qui protège nous. C'est lui nos colonnes. Il sera toujours les colonnes de la terre. Et laisse bon Dieu agir dans nous la vie. Laisse-nous bénir le Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, ce matin, je donne toi gloire. Ce matin, je rends toi grâce. Ce matin, je dis ton merci, Seigneur, pour ta parole. Bénis, Seigneur Jésus, chacun d'entre nous ce matin qui n'écoute de parole, qui ne participe, Père l'Éternel, dans les chants, dans la louange, dans l'adoration, qui nous entendent ce matin, Seigneur Jésus, qui nous chante, que nous prend plaisir, Seigneur.